Tout mort lui en aléiden et ce sera aujourd'hui le nishmat avant Mordechai ben Yitzhak ve Fani, Lorléa bat Beila et Dvora bat Eliaou ve Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah contactez la communauté éternelle, nous étions en Sakhati avant Mordechai Kalef Mishnah Gimel, Shesharayot, Hamurot, Meelum, Ipenesh, Nesuot, Leacherim, Tsaroten, Mutarot, Imo, Veshat Aviv, Vachot Aviv, Achoto, Me Aviv, Veshat Achi Aviv, Veshat Achiv, Me Aviv. Une Mishnah relativement simple par rapport à la Mishnah Aleph Bet, elle vient finir en fait, boucler complètement la boucle du sujet. Il y a, je traduis directement même le cas, c'est l'alacha, c'est Shesh Arayot, il y a 6 cas d'inceste, Chamurot Me'elu, qui sont plus graves que les cas évoqués, que les 15, que c'est des insectes beaucoup plus proches et dont une proximité beaucoup plus grande. Et malgré tout, Mipne. En quoi elles sont plus rigoureuses? Parce que parce qu'elles peuvent être mariées avec des étrangers, tsaroten mutarot, et leurs tsarot sont toujours permises. Phrase un peu floue, on va expliquer après à l'oral comment ça se passe. Eh bien, et ces six arayotes-là, c'est quoi? Imo, sa mère, Eshet Aviv, la femme de son père, Vachot Aviv, la sœur de son père, Vachoto me Aviv, et sa sœur de père, Ve'eshet achi aviv, et la femme du frère de son père, Ve'eshet achiv me aviv, et la femme du frère de son frère de père. Bon. En fait, la Mishnah vient me dire, vous vous rappelez qu'il y avait, on a évoqué dans la première Mishnah, en fait, qu'il y a des cas où moi je suis marié avec une femme qui s'appelle Chana, en l'occurrence. Maintenant, il y a plusieurs situations où je vais avoir des proches qui vont être proches de ma femme. Ouais, ça peut être sa sœur, ça peut être sa mère. Ça peut être... Toutes ces femmes-là, hein, elles sont interdites pour moi. Parce que c'est ma belle-mère, parce que c'est ma belle-sœur, parce que ça peut être la femme, la fille de ma femme, si c'est d'un autre mari. Elles vont être interdites pour moi. Mais malgré tout, mon frère, il a le droit de se marier avec elle. Parce qu'on avait cette situation-là parmi les 15 incestes, cas d'inceste qui ont été évoqués dans la Mishnah Aleph, alors il s'avérait qu'on se retrouvait avec des situations originales où finalement j'ai mon frère, enfin pas moi, quelqu'un qui va avoir son frère qui va se marier avec une proche parent de lui, et puis du coup, lorsque son frère va décéder sans enfant, il va se retrouver avec une mitzvah de hiboum théorique face à une proche parent de lui. La Mishnah maintenant elle va me dire sache que maintenant il y a 6 cas de liens parentés qui sont différents. Que cette fois-ci où tu ne vas pas pouvoir te retrouver dans cette situation où elles vont être aptes au hiboum pour toi. Parce qu'autant qu'elles sont interdites à moi, elles sont interdites à tous mes frères et il n'y aura aucune configuration où j'aurai un frère qui pourra se marier avec elle. En l'occurrence, le cas le plus violent, c'est la femme de mon père. Peu importe si c'est ma mère ou c'est la mère d'un de mes frères. Mais dès que c'est la femme de mon frère, de mon père, eh bien, ni moi, ni aucun de mes frères, on a relation avec elle, parce que dans ce cas-là, Eshet Avicha l'otégalé. Il y a une personne qui est interdite de se marier avec, ou d'avoir des rapports avec la femme de son père. Donc, il s'avère que maintenant, toutes ces femmes-là, ouais, et c'est la liste qu'on va voir. Ça peut être ma mère naturelle, parce qu'elle sera forcément la femme de mon père. Ça peut être aussi Eshet Aviv, parce que même si c'est pas ma mère naturelle, c'est aussi la femme de mon père. Ça peut être aussi Achot Aviv, la sœur de mon père. Puisque tous les frères qui doivent faire le hiboum, en théorie, c'est que les frères de père. Ouais, on aura l'occasion d'en parler plus longuement après. Donc maintenant, la sœur du père, elle sera toujours interdite, parce que j'ai pas le droit de me marier avec ma tante, moi. Ouais, vous vous rappelez, j'avais dit. J'ai le droit de me marier avec ma nièce, mais j'ai pas le droit de me marier avec ma tante. Mon oncle a le droit de se marier avec ma sœur. Mais moi, j'ai pas le droit de me marier avec ma tante. Donc Achot Aviv, la sœur de mon père. De son père. Achoto, sa sœur aussi. Mais Aviv, dès qu'on est sœur de père. D'accord? On a le même père, elle ne peut plus se marier avec aucun frère. Si c'était la sœur de ma sœur de mère, elle pourrait se marier avec un de mes frères. Si jamais mon père, il a deux femmes. Imaginez. Mon père, il a deux femmes. Moi, je suis le fils. On va prendre Yaakov avec Rachel et Léa. Et parmi les enfants, on a Réhouven et Yosef. Réhouven, fils de Léa. Et Yosef, fils de Rachel, vous connaissez bien la famille, d'accord? Imaginez que maintenant, Léa, avant de se marier avec Yaakov, elle était mariée avec quelqu'un d'autre, et elle a eu une fille qui s'appelait Dina.
Yosef a le droit de se marier avec Dina. Ouais, parce que c'est sa sœur. Même si c'est la sœur de mère de Réhouven, c'est pas la sœur de père. Donc Réhouven, il a raison avec elle. Donc la Mishnah, en fait, elle a dit. Mais si c'est une sœur de père, elle interdite à tous les frères. Idem aussi, Ve'eshet Achi Aviv. La femme du frère du père. Ouais, donc mon père, il a un frère. Sa femme, elle est interdite. Elle est interdite à toute la fratrie. Et idem aussi pour Eshet Achiv, mais Aviv aussi pour la femme du frère de son frère de père. Ouais, c'est le même principe aussi de nouveau, dans toute cette fratrie là, de tous les frères, s'il y en a un qui se marie avec une femme, plus personne ne pourra se marier avec elle, s'il n'y a pas eu de hiboum, bien évidemment. La Mishnah vient, elle me dit, bah, tu sais que maintenant, toutes ces femmes-là, hein, ces 6 femmes en l'occurrence, on a tous, qui tournent tout autour en fait du père, parce qu'on a tous le même père commun, eh bien, il s'avère que maintenant, toutes ces femmes-là, de manière générale, si elles vont se marier avec des étrangers, la femme de mon père qui est partie finalement se marier avec un étranger qui s'appelait Jean-Paul, et Jean-Paul, il avait une autre femme qui s'appelait aussi Sarah. Lorsque Jean-Paul décède, j'ai le droit de me marier avec Sarah, même si c'était l'inceste de ma belle-mère. Ouais. Pour quelle raison? Parce que, c'est très simple. L'interdit que l'inceste, la herva, elle va communiquer ça l'interdit à la Tsara, c'est que lorsqu'elles vont se retrouver en position de hiboum, en situation de hiboum. Lorsqu'il va y avoir le hiboum, qu'il va y avoir le frère qui va décéder, et que maintenant elles vont venir, maintenant le frère avait 3 femmes par exemple, si on avait une qui était inceste, elle va communiquer son interdit aux autres. Mais il n'y a pas de halakha générale que n'importe quelle concubine, ou je sais pas comment faut le dire, n'importe quelle Tsara de Erva, elle va devenir, elle interdit les autres. Non, c'est que s'il y a la mise à l'iboum. Or, toutes les femmes évoquées, il n'y aura jamais de situation où il y aura de l'iboum, parce qu'aucun de mes frères ne pourra se mettre avec toutes ces femmes-là. D'accord, c'est le principe de la Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzalah, Kol Toum, Salam.